PUZZPUZZLE 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 LE. C'est rien que le premier chapitre que j'enregistre et déjà je balance une pensée inédite qui va faire flipper les gens. On a décidé de commencer par là où s'arrêtent les autres. Autrement dit, on va y mettre d'une autre afin de rattraper leur faute. Explique. Deuxième chapitre, c'est là que je rentre dans ta tête, rappe mon texte comme si j'allais caler à l'instant même où j'arrête. C'est une image, non c'est ma façon d'être. Moi je rappe avec le ventre, c'est la rage qui me dessine des tablettes. Même si je suis une ablette à la base. Troisième chapitre, les clés de la réussite. Le serrurier fait pas les doubles, c'est une histoire de mérite. La seule formule c'est le travail, le job, faut se battre. Si tu manges pas de ce pain là, tu manges tous les jours des pâtes. Chapitre 4, pour tous les mecs en chien de chat. Et les filles belles comme les jours qui ne sortent que la nuit dans les boîtes. Y'a eu l'époque des mamoites, l'époque des premiers baisers. Maintenant, pour plein de gens, l'amour à sa place, on usait. T'as une suite? Ouais, ensuite, c'est le cinquième chapitre. En tant qu'artiste, je me dois d'en informer le public. Je suis comme tout le monde, t'as l'impression que je suis quelqu'un, mais c'est pas qui, parce qu'ici, personne n'a le sentiment d'être n'importe qui. Personne n'est n'importe qui, mais beaucoup de gens disent n'importe quoi. Ils pensent qu'il y a la gueule de l'employé, et tiens la gueule de l'emploi. Et ça, c'est le chapitre 6. Je crois pas que la chance soit assise, mais vu que la société, elle est certaine, on va faire du hors-piste. L'avenir s'écrit en 6 lettres. Puzzle, qu'est-ce que tu dis? Puzzle, PUZZPUZZLE, PUZZPUZZLE, PUZZPUZZLE. L'avenir s'écrit en 6 lettres. Puzzle, comment ça? Puzzle, PUZZPUZZLE, PUZZPUZZLE, PUZZPUZZLE. Chapitre numéro 7. L'avenir c'est comme une roulette. Et y'a des mecs prometteurs qui finissent aux oubliettes. C'est l'angoisse. On appelle ça le destin pile ou face. À ce que je sache, personne choisit entre la chance et la poisse. Numéro 8. Pour ceux qui disent pas non à une cuite. Et ceux qui partent faire la bague après avoir bu quelques litres. À la recherche d'une teuf. Car qui dit teuf dit meuf. Et qui dit meuf dit bluff. Ce qui nous amène au chapitre 9. Le bluff. Entre nous, le bluff dont je parle, c'est la campagne électorale d'un candidat sans programme. C'est une femme qui se rend compte que son mari est polygame. Ou un rire, un drame, un sourire qui dissimule okay, une larme. Je passe à la suite et cite le 10ème chapitre, celui dans lequel je m'envoie 12 piges devant mon pupitre. Tu finiras en haut de l'échelle sociale, me disait l'instinct. En haut de l'échelle, en B14, je suis en train de laver les vitres. Chapitre 11, trop de mensonges, peu de choses véritables. Trop de mecs qui prennent la grosse tête et qui me trouvent indésirable. Je suis pas amateur de fables, mais si t'es rempli d'ego. Rappelle-toi de celle du renard qui a fait chanter le corbeau. 12ème et dernier chapitre, c'est sur celui-ci qu'on se quitte. Il s'agit de la méthode puzzle et de tout ce que ça implique. Je suis pas un saint, mais je prône le retour aux vraies valeurs. Pour les jeunes d'ici et d'ailleurs, unis par la couleur et pas par la couleur. L'avenir s'écrit en 6 lettres. Puzzle, qu'est-ce que tu dis? Puzzle, PUZZPUZZLE. Puzzle, PUZZPUZZLE. Puzzle, PUZZPUZZLE. L'avenir s'écrit en 6 lettres. Puzzle, comment ça? Puzzle, PUZZPUZZLE. Puzzle, PUZZPUZZLE. Puzzle, PUZZPUZZLE. L'avenir s'écrit en 6 lettres. Logiloqui, qu'est-ce que tu dis? Logiloqui. L'avenir s'écrit en 6 lettres. Puzzle, puzzle. PUZZPUZZLE, LE, LE, LE.